Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi et aujourd'hui je bosse, mais malgré tout aujourd'hui je vous embarque avec moi. C'est parti, la journée pour 40 minutes de route. Il est 7h et il faut que je me dépêche car je dois passer à la boulangerie et récupérer des viennoiseries. C'est parti. A few moments later. Re-coucou tout le monde, il est 17h. Non, il est 16h44. Je fais coucou à mon mari, je viens de rentrer à la maison. Donc j'ai terminé le boulot à 4h. Coucou mon cœur. Coucou. Et du coup, je viens de rentrer à la maison. J'ai pas pu vlogger de la journée, bah vous vous doutez bien, puisque j'ai bossé. Et c'était un peu compliqué pour moi de prendre ma caméra et de vlogger. Mais là, je suis rentrée à la maison et j'avais envie de reprendre le vlog. Donc, j'espère que je pourrai vous donner du contenu. En sachant que demain, c'est dimanche et que demain, j'ai envie de refaire une brocante. Toujours la même, celle de Savannah à Saint-Paul, puisqu'ils enchaînent deux week-ends de suite une brocante. Donc, j'ai envie de la faire. J'espère pouvoir avoir la force de le faire parce que je suis un peu crevée là d'avoir bossé du lundi au samedi, ça pique un peu. Donc on verra bien. Là je vais rentrer à la maison et je vais rejoindre mes amours. Après une dure journée de boulot. Coucou. Re-coucou tout le monde, nous sommes le lendemain. Bon, de toute façon, j'ai changé de tête, j'ai changé de tenue, donc on se doute bien que on n'est pas le même jour. Il est 14h bien entamé et ce matin, donc je me suis réveillée à 3h, ça a piqué, normal. Et donc, j'ai fait de nouveau la brocante à Savannah. Le butin du jour est de 200 €, ça fait toujours plaisir. Et du coup, la prochaine brocante, c'est le 13 mars et j'ai bien envie de la refaire le 13 mai et non pas le 13 mars. Enfin, je verrai. Donc, ça m'a permis vraiment d'écouler le stock de choses que j'avais à vendre. Et je suis contente parce que à chaque fois, ça me permet de mettre un peu plus de sous de côté pour pouvoir payer mon voyage en Espagne. On verra si j'arrive vraiment à récolter la somme qu'il nous faudrait. Mais du coup, on ira et j'espère qu'on pourra le faire vraiment. Donc là, je suis à la maison. Je suis rentrée, il était midi de la brocante, on a mangé. Je me suis posée un peu dans le canapé, là je bois un petit café histoire de me réveiller. Oh, j'ai une sale tête, je vois le retour là, c'est abusé, j'ai le mascara qui a coulé et tout, c'est horrible. Mais bon, c'est moi, donc on fera avec. Hein. Sinon, le programme de cet après-midi... je vais essayer de ranger un peu. Là, je viens de lancer une lessive. Je viens de lancer le lave-vaisselle aussi. J'ai envie de passer un coup d'aspi et de serpillière. Et voilà, aller ranger ce que je n'ai pas vendu à la brocante. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Franchement, je suis contente. Je me suis débarrassée de plein de choses. Mes placards sont vides. En tout cas, quand je dis vide, ils sont rangés. J'ai l'impression que voilà, tout ce que j'ai gardé, j'en ai besoin. Et je suis contente d'avoir pu me débarrasser des choses inutiles. Quoi. Franchement, je me rends compte que cette société de consommation nous pousse à déclencher des besoins qui sont en fait des besoins complètement futiles. Et je suis dégoûtée d'être tombée là-dedans. Je pense être raisonnable sur ma chaîne, je ne vous bombarde pas de haul. Je ne suis pas toujours en train de vous montrer ce que j'ai acheté. J'essaye de vous parler plus de ma vie, de partager plus mon quotidien avec vous que vraiment le côté matériel.
En tout cas, j'essaye et j'espère vraiment à la longue pouvoir me détacher de cet aspect matériel. Je suis dépensière, j'ai la fièvre acheteuse. Moi, vous me lâchez dans un centre commercial, je fais des dégâts. Mais franchement, j'ai envie de me soigner parce que je me dis que c'est pas normal et qu'on n'a pas besoin de tout ça. Pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir. Et malheureusement, la société nous pousse à être comme ça. Et voilà, je me dis que j'ai un libre arbitre et il est peut-être temps que je l'utilise. Voilà, c'est mon joker à moi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Mais c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Coucou tout le monde, j'ai... Oh là là. Oh là là, c'était tout flou. T'es pas obligé de leur montrer ta langue à chaque fois, tu sais. T'es pas intéressant. Non, non, c'est pas intéressant. Moi, j'aime pas. Non, c'est pas très beau. C'est pas très beau, je trouve. Moi, j'aime pas. C'est rose. Ouais, elle est rose, ta langue, mais j'aime pas quand tu montes ta langue. Tu la montres tout le temps. Tu peux leur parler aussi. Bon, les amis, je suis désolée. Ce vlog, c'est une honte. Je me rends compte que... j'en ai commencé un, que du coup hier comme je bossais, j'ai pas réussi à filmer grand chose, qu'aujourd'hui avec la brocante, c'est pas mieux. Donc du coup, je suis désolée de vous mettre ce vlog aussi pathétique en ligne. Et en plus là il est tôt, vous savez il est 19h, je suis déjà en pyjama et prête à me coucher, on a déjà mangé, on a vraiment fait nos poules ce soir, mais c'est juste pas possible d'avoir bossé de lundi à samedi, enfin jusqu'à samedi, et aujourd'hui de s'être tapé une brocante et du coup debout depuis 3h30 du matin, c'est pour ça que j'ai essayé, mais ce vlog n'est pas génial, il n'y a pas grand chose, mais bon, comme je l'ai commencé, j'ai envie de le mettre en ligne malgré tout. Elle est excitée la petite là, ouh, c'est dur. C'est ma pépette. C'est ma pépette. Et oui, c'est Victoire ma pépette. C'est Victoire ma pépette. Tu t'appelles Victoire ma pépette toi? Et oui, c'est rigolo. Attention chérie, elle est excitée comme ça depuis ce matin. Ça va? Ça va maman? Pourtant, elle vient de prendre sa douche, son bain, mais ça l'a pas apaisée. Hein. Maman, regardez, maman. Je vais vous montrer ma bougie de chez Primark qui est juste terrible. La Perfect Pink. Donc, je crois que c'est à la rhubarbe et à la pêche. C'est où? Ouais, rhubarbe et pêche. C'est une tuerie. Et là, c'est moi avec mon pyjama de chez Primark. Ah ouais, ce soir, c'est même ma fille là. Le haut qu'elle a, c'est un haut de pyjama que j'avais acheté au rayon Disney chez Primark. Ce soir, c'est soirée Primark. Et j'adore mon pyjama. Franchement, je le trouve génial. Il fait pas vulgaire, il est beau comme tout. J'aime beaucoup. Ce soir en plus, enfin ce soir, en fin d'après-midi, j'ai coupé les cheveux à mon mari. Mon mari, il fait de sacrées économies, enfin il nous permet de faire de sacrées économies puisqu'il va pas chez le coiffeur, c'est moi qui le coiffe tout le temps. Et à chaque fois, il trouve la coupe que je lui fais sympa. Donc j'avais acheté quand j'étais en métropole un coffret Babyliss avec tout le nécessaire, que ce soit pour la barbe ou pour les cheveux. Bon, lui, il a pas de barbe, enfin il n'a pas une vraie barbe bien fournie, c'est ça? Maman, c'est Victoire ma pépère. Oui, Dala. Et du coup, au moins ça s'est fait, ça fait des économies, quoi. Et comme moi, j'y vais pas souvent chez le coiffeur, c'est pas le budget qui nous coûte le plus cher, quoi. En tout cas, les amis, je suis désolée. Franchement, je suis gênée. J'hésite là. Hein. J'hésite. Je me dis, est-ce que je le mets en ligne ce vlog? Mais en même temps, j'ai commencé quelque chose. Voilà, ça serait dommage de pas le mettre en ligne, quoi. T'as réussi à sauter? Mais tu sais que j'ai peur que tu tombes. C'est la dîner.
En plus, maman vient de faire le lit, ça a servi à rien. Ça n'a pas servi à grand chose de faire le lit. Tu fermes la porte? Oui. On va dans ta chambre? Oui, on va dans la chambre. C'est l'heure de l'histoire de Victoire. Qu'est-ce que tu veux lire ce soir? L'histoire. Tu veux lire quoi? Tu veux que maman te dise quoi comme histoire? Vas-y, choisis un livre. Lequel tu veux? Vas-y. Tiens. Bah, prends-le. Allez, le roi lion. Le roi lion? Encore? On l'a beaucoup lu cette semaine, le roi lion. Ça, je crois ça. Bon, tu veux quand même le roi lion? Vas-y, donne. Allez, on va le lire. Attends, c'est qui ça? Allez, tu t'installes? On va lire l'histoire? Non, non, non. Bah, vas-y, installe-toi là. Non. Bah, maman, elle vient à côté de toi. Allez, vas-y, installe-toi. Alors... La voilà. Eh oui. Ah, attends. Tu viens à côté de maman? Oui, j'attends. Voilà. Allez, on lit l'histoire du roi lion? Oui. C'est parti. Ce matin-là, un bruit sourd retentit dans la savane, pareil à celui du tonnerre. Un nuage de poussière se lève à l'horizon. Pintades et éléphants surgissent soudain. Derrière eux se bousculent les zèbres, les rhinocéros, les girafes et les babouins. Où se rend donc le peuple des animaux? Au rocher du lion, la demeure du roi Mufasa. Bon, ben les amis, je vais aller me coucher. Il y a mon mari qui sort de la douche, il est là. Vas-y, montre comment je t'ai coiffée. Sympa, hein? Ouais, je suis douée. Donc, il y a ma petite pépette qui dort, ça y est. Ça a été vite réglé. Je lui ai lu une dizaine de pages du Roi Lion. Un biberon. Je lui ai donné une petite dose de Doliprane parce que là, je pense qu'elle a les molaires du haut qui sortent. Et elle bave beaucoup. Elle a le nez qui est complètement bouché. Elle est à cran, il faut rien lui dire, elle pleure pour rien, elle est à la fois râleuse et hyper excitée, donc je pense que c'est les dents, voilà. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé si elle voulait du Doliprane parce qu'elle avait mal, elle m'a dit oui, oui, maman. Donc je le sens qu'elle en avait besoin et moi, j'hésite pas. J'attends pas qu'elle ait de la fièvre, je lui donne pour pallier à la douleur, quoi. Donc voilà, en tout cas, je vous demande pas si ce vlog vous aura plu ou vous a plu, puisque je suis pas très fière de ce que j'ai fait, mais je me rattraperai la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao !